everypony. Horses, we could not love them more, but we could love them better, and here's how. Les chevaux, on pourrait pas les aimer plus, mais on pourrait les aimer mieux. Et voici comment. My name is Valérie Gagné, and I'm a horse behavior practitioner in Montreal, Canada. Je m'appelle Valérie Gagné, et je suis praticienne en comportement équin ici à Montréal, au Canada. We've all been fascinated by body language experts. An FBI agent knows exactly what you're thinking about, just looking at how you're physically placing your body. On a tous été fascinés par les experts en langage corporel. Comme un agent du FBI sait exactement à quoi vous pensez, juste en regardant votre attitude physique. Of course, this means they understand human psychology. What motivates us, what we fear, and how our self-preservation dictates our actions. Bien sûr, ça signifie qu'ils comprennent également la psychologie humaine, c'est-à-dire ce qui nous motive, ce qui nous fait peur, et comment notre sens de la préservation dicte nos actions. At the end of this video, you will be horse body language experts, which means you'll also be equine psychologists. Okay, maybe not exactly, but you'll be on your way there. À la fin de cette vidéo, vous serez des experts en langage corporel du cheval. Et ça veut dire que vous serez également des psychologues équins. Ok, peut-être pas exactement là, mais vous aurez un bon bout de chemin de fait. The most basic truth about horse psychology is this. As prey animals, security is everything to the horse. La notion la plus fondamentale sur la psychologie du cheval est la suivante. En tant qu'animal de proie, il n'y a rien de plus important pour le cheval que la sécurité. Rien. This means that horses live with a constant, basic sense of vulnerability, something that us humans don't fully understand. Ça signifie que le cheval vit avec un sentiment fondamental constant de vulnérabilité. Et ça, c'est quelque chose que nous, les humains, on ne comprend pas tout à fait. Come on, horsey, we've passed by that door a million times. How can you still be spooky about it? Bon, mon cheval, on est passé à côté de la porte à peu près 1000 fois. Je comprends pas comment ça pourrait encore te faire peur. Eh bien, horses can feel vulnerable to objects, situations, places, and sensations. Or the idea of an object, a situation, a sensation, or a place. Les chevaux peuvent se sentir vulnérables face à un objet, à une situation, à une sensation ou à un lieu. Ils peuvent se sentir aussi vulnérables à l'idée d'un objet, d'une situation, d'une sensation ou d'un lieu. So how does this instinctive psychological vulnerability express itself physically through the horse's body language? Comment est-ce que cette vulnérabilité psychologique instinctive de base s'exprime-t-elle physiquement à travers le langage corporel du cheval? Through defense behaviors of flight, of fight, and of freeze. À travers des comportements de défense, de fuite, de lutte, ou de pétrification. Flight, fight, and freeze are defense mechanisms that us humans also have. The flight mechanism is moving away from something. The fight mechanism is moving towards the thing in order to defend against it. And the freeze mechanism is a mental and physical collapse and disconnection. La fuite, la lutte et la pétrification, ce sont des mécanismes de défense que nous aussi les humains on a. Le mécanisme de fuite consiste à s'éloigner de quelque chose, et le mécanisme de lutte consiste à aller vers la chose avec l'intention de s'en défendre. Et le mécanisme de pétrification, c'est un effondrement mental et physique, une déconnexion. I prepared a map so you can see how everything is linked. J'ai préparé une carte, comme ça vous allez pouvoir voir comment tout est relié en fait. Here we have the horse feeling safe and connected. Then an object, a sensation, a situation or a place may have the horse feeling vulnerable. Ici, le cheval se sent en sécurité et il se sent connecté. Ensuite, un objet, une sensation, une situation ou un lieu donne au cheval une sensation de vulnérabilité. The horse will evaluate the situation and decide if there is indeed a danger. The horse may simply go back to relaxing, deciding there are no dangers, or the horse may need to go through a natural stress release behavior in order to go back to relaxation. Le cheval va évaluer et il va décider s'il y a bel et bien un danger. Le cheval peut simplement retourner en détente s'il décide qu'il n'y a pas de danger, ou il peut faire un comportement naturel pour libérer son stress afin de revenir ensuite vers la relaxation. But if the horse decides that the situation is indeed dangerous, he will instinctively and immediately go into flight, into fight, or into freeze mode. Mais si le cheval considère que la situation est en effet dangereuse, il passera instinctivement et immédiatement en mode de fuite, de lutte ou de pétrification.
Got it? Let's dig in. Vous me suivez, hein? Alors, on va creuser un petit peu le sujet. Starting with the horse feeling safe and connected. En commençant avec le cheval qui se sent connecté et en sécurité. Connected to her environment, connected to the herd, and connected to you, perhaps. In this state of being, psychologically, the horse is curious, open, aware, and relaxed. This is what we mean when we say that the horse is soft. Le cheval est connecté à son environnement, au troupeau, et peut-être même connecté à vous. Dans cet état psychologique, le cheval est curieux, ouvert, présent et détendu. C'est de ça qu'on parle quand on dit qu'un cheval est soft. Note here that curiosity is the horse's intelligence. The goal of everything that I do is to have a relaxed, soft horse. Physically, for the body language, the basic relaxed state is when the horse's head is lower than the withers. But of course, there's so much more to say about this, and I will have to do another video on it for sure. Notez que la curiosité, c'est ce qui fait l'intelligence du cheval. Le but de tout ce que je fais avec mes chevaux, c'est pour avoir la détente. Physiquement, la posture corporelle de détente, c'est lorsque le cheval a la tête plus basse que le garrot. J'en ai tellement plus à dire là-dessus, mais il va falloir définitivement que je fasse une autre vidéo. Moving on the map, as a prey animal, the horse innately feels a basic sense of vulnerability. You could call it a basic sense of fear, scanning the environment for potential threat. The threat can be an object, a sensation, a situation, or a place. Or it can also be the anticipation of one of those things. En tant qu'animal de proie, le cheval ressent naturellement un sentiment fondamental de vulnérabilité. Vous pourriez appeler ça aussi un sentiment fondamental de peur. Il évalue son environnement pour voir s'il y a des menaces potentielles. La menace peut être un objet, une sensation, une situation ou un lieu. Ou ça peut être aussi l'anticipation de ces choses-là. The object can be the halter. The sensation can be the feeling of being trapped when you hold the hoof. The situation can be to be squeezed between the gateposts and risking an electric shock. L'objet menaçant, ça peut être un des coups. La sensation, ça peut être la sensation d'être pris lorsque on prend le sabot du cheval. La situation, ça peut être lorsqu'il se retrouve entre les poteaux de la porte et qu'il a peur de se faire prendre. And the place could be the indoor arena where the horse is being trained and just feels like he's being imposed on, controlled or forced. Et le lieu, ben, ça peut être le manège intérieur, par exemple, où le cheval est entraîné et où il sent qu'on lui impose trop, qu'il est contrôlé et qu'il est forcé. The horse can also start to feel vulnerable and fearful at the thought of one of those things. Like when a human approaches the horse, for example. You get it. Le cheval peut aussi commencer à se sentir vulnérable et craintif à l'idée d'une de ces menaces-là. Comme par exemple lorsqu'un humain l'approche. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Moving on to the evaluation behavior and its psychology. Le comportement d'évaluation et la psychologie. As a prey animal, the horse constantly evaluates situations in order to assess danger. A lion doesn't walk around wondering if he's safe. He walks around the jungle like he owns it, and he's right. En tant qu'animal de proie, le cheval évalue constamment les situations afin d'évaluer le danger. Un lion, lui, regarde pas autour de lui se demandant s'il est en sécurité. Il se promène dans la jungle comme si c'était à lui, puis il a raison de le faire. Your horse, however, doesn't know he's got nothing to fear. He doesn't know that there's not a wolf or a lion coming to hunt him. The horse will hear, smell, and see something that will give them pause, and that's just what they'll do. They'll pause. They'll pause and evaluate the situation and decide if indeed there's a danger. Mais votre cheval, vous, il sait pas qu'il y a rien à craindre. Il sait pas qu'il y a aucun loup ou aucun lion qui va venir le chasser. Alors il regarde autour de lui et si quelque chose ressemble à un danger potentiel, il s'arrête pour évaluer et il doit décider s'il y a un danger ou non. That physical posture is absolutely the same for all horses. Head up high, ears forward, body unmoving. They'll stop chewing, they'll stop blinking. All senses are aroused. Cette attitude physique est la même pour toutes les chevaux. L'attitude d'évaluation, c'est la tête haute, les oreilles devant, le corps immobile, ils arrêtent de mâchouiller et ils arrêtent de cligner même des yeux. Then, they'll make a decision. If they assess the situation as dangerous, whether it's actually dangerous or not, they'll probably respond by fleeing. Et là, ils prendront une décision. S'ils jugent la situation comme dangereuse, qu'elle soit réellement dangereuse ou non, ils vont réagir probablement en fuyant.
If they don't assess this situation as dangerous, they'll typically go back to what they were doing before. Basically, the evaluation posture, or vigilant posture, should last only a few seconds. Si leur évaluation de la situation, c'est qu'il n'y a pas de danger, alors à ce moment-là, ils vont probablement retourner à l'activité qu'ils faisaient avant. L'évaluation devrait durer seulement que quelques secondes. A horse that evaluates constantly and evaluates for too long is stuck psychologically. Typically, that horse may have a hard time relaxing and sleeping. I have a whole lot to say about this. I'll have to make another video. If the horse evaluates and decides there's a danger, he might go into flight, into fight, or freeze mode. Si un cheval évalue et décide qu'il y a bel et bien un danger, alors à ce moment-là, il va partir en fuite, en lutte ou en pétrification. Mais flight is the horse's first defense mechanism. La fuite est vraiment le premier mécanisme de défense du cheval. Flight means avoidance. It's moving away from something. Moving away from the object, the situation, the sensation, or the place. Let's be clear about this. Our horses use the flight mechanism all the time, just like rabbits do. La fuite signifie l'évitement. C'est s'éloigner de l'objet, de la sensation ou de la situation ou du lieu qui dérange. Et soyons clairs là-dessus, là. Nos chevaux partent en fuite constamment, comme un lapin en fait. Psychologically, they're experiencing various degrees of concern, of fear, or panic, or anxiety, or worry. Psychologiquement, ça veut dire que le cheval éprouve divers degrés d'inquiétude, de peur, divers degrés de panique ou d'anxiété. Physically, flight can look like a big movement, such as running or pacing the fence. It can also look like a medium-sized movement, just like dancing at the cross ties. Physiquement, la fuite, ça peut ressembler à un gros mouvement, comme lorsque le cheval se met à courir ou il se met à faire du va-et-vient sur le bord de la clôture. Ça peut être aussi un mouvement médium, comme lorsque le cheval danse quand il est sur les chaînes. Or, it can look very subtle, like turning the head away when you're approaching with a halter. Le mécanisme de défense de fuite peut être aussi un mouvement très subtil, comme lorsqu'un cheval détourne la tête lorsqu'on arrive avec un licou. Moving on to the second defense mechanism. Passons au deuxième mécanisme de défense. Fight, la lutte. This is when the horse is feeling vulnerable or completely fearful, but the horse is moving towards the object, towards the situation, or the place, or the sensation that they are fearing. Le mécanisme de défense de lutte, le cheval se sent vulnérable, même peut-être complètement apeuré, mais il se déplace vers l'objet, vers la situation, vers la sensation. Psychologically, fight is the expression of the horse's irritation, frustration, rage, and anger. Psychologiquement, la lutte physique, c'est l'expression psychologique du cheval qui ressent de la peur, de l'irritation, de la frustration, de la rage et de la colère. Physically, it looks like biting, charging, kicking, boxing, or the intention of biting, kicking, boxing, and rearing. Again, it can be subtle, or it can be a huge movement. Le cheval veut mordre, charger, donner des coups de sabot, boxer, ou bien on voit que le cheval montre son intention de mordre, de charger, de boxer ou de kicker. Et encore une fois, ça peut être un mouvement subtil comme ça peut être un mouvement énorme. When you're brushing your horse and she turns her head, pretending she's gonna bite you. She's defending against a feeling of vulnerability, of uncomfortableness. She's worried, frustrated, and fight is her chosen defense mechanism. Quand vous brossez votre cheval et qu'elle tourne la tête pour faire semblant comme si elle allait vous mordre, eh bien, elle se défend contre une sensation inconfortable. Elle est inquiète ou elle ressent de la frustration. Et le mécanisme de défense qu'elle a choisi, qui lui est venu instinctivement, c'est de lutter contre la situation. Yep, you've guessed it. Our horses use that defense mechanism all the time. And they use it with one another as well, like when they extend their necks and pin their ears defiantly. Et oui, vous l'avez deviné, nos chevaux utilisent ce mécanisme de défense tout le temps. Et ils l'utilisent les uns avec les autres également, comme quand ils étirent le cou avec les oreilles dans le crin. You guessed it. More videos to come about this fascinating subject. Et vous l'avez deviné, j'ai d'autres vidéos qui sont à venir sur ce sujet fascinant. On retourne à la carte. What happens when a horse feels vulnerable to an object, a sensation, a situation, or a place, but is unable to flee or unable to fight? Mais qu'est-ce qui se passe
Lorsqu'un cheval se sent vulnérable face à un objet, une sensation, une situation ou un lieu, mais qu'il lui est impossible de fuir ou de lutter, eh bien, that horse will go into freeze mode. Ce cheval-là va être figé physiquement et psychologiquement. C'est la pétrification. If the horse is on the cross ties and we keep her from moving her feet and we punish her if she tries to bite us or tries to push us out, or if we're riding and holding the reins short and tight, and at first the horse tries to pull or try to get behind the bit or tries to move faster. Par exemple, si le cheval est sur les chaînes et qu'on l'empêche de bouger, ou qu'on le punit s'il essaie de nous pousser ou de nous mordre, ou si on est en train de monter et qu'on tient les rênes courtes et serrées, au début le cheval peut essayer de tirer, il peut essayer de passer derrière le mort ou il peut essayer de se déplacer plus rapidement. Basically, the horse is trying to flee or fight the pressure. But without succeeding in finding safety or finding relief, basically failing at making the irritating stimulation stop. Le cheval essaie de fuir ou de lutter contre la pression, mais sans réussir à retrouver de la sécurité ou retrouver une espèce de soulagement de la situation. For the nervous system, what's left is for the horse to go into freeze mode. This is not something the horse chooses. Fight, flight, and freeze are instinct, automatic, nervous system responses. Le seul mécanisme de défense qui reste au cheval, c'est de figer, c'est la pétrification. Mais ce n'est pas un choix que le cheval fait, là. Les mécanismes de défense, ce sont des automatismes du système nerveux. Psychologically, the flight mode and the fight mode are modes where the horse feels like he can defend against what causes the fear. But when these instinctive behaviors fail to bring the horse to safety, the horse may have a physical and mental collapse, a physical and mental shutdown. Psychologiquement, le mode de fuite et le mode de lutte, ce sont des modes où le cheval a l'impression d'être capable de se défendre contre ce qu'il dérange, ce qui lui fait peur. Mais lorsque ces comportements instinctifs-là ne parviennent pas à remettre le cheval en sécurité, le cheval peut s'effondrer psychologiquement et physiquement, et se refermer donc complètement sur lui-même. This is the opposite of awareness. It's dissociation. It's helplessness. This is a defense mechanism where the horse feels like he just can't. C'est le contraire de la présence. Il s'agit d'un mécanisme de défense où le cheval a l'impression qu'il est impossible de trouver la sécurité. Il essaie même plus. And yes, a horse can be in freeze mode and move forward under the saddle anyways. Et oui, un cheval peut être tout à fait en mode de pétrification et quand même avancer avec son cavalier en selle. If you think about it, it's the same thing as a victim of abuse. At first, the person may try to get away, may try to flee. That's flight. Then, if flight is not possible, the person may try to fight the aggressor, fight the situation. And if none of those things work, over time, the nervous system will shut down and the victim will mentally check out, dissociate, and be mentally absent from their body and what the body is experiencing. Pensez-y, c'est la même chose pour une victime d'abus. Au début, peut-être que la personne va essayer de s'échapper, va essayer de fuir. Mais si ce n'est pas possible, elle va peut-être essayer de combattre l'agresseur, de lutter finalement. Si rien de ça fonctionne, au fil du temps, le système nerveux va créer une dissociation, un shutdown, et là, mentalement, la personne va être absente de ce qui se passe dans le moment présent, puis complètement détachée de ce qui se passe avec son corps. So what's the body language? Physically, when a horse is checked out, the head is high, the ears are pinned back, and often the hind is cocked. And yes, you've guessed it, many horses have had to resort to that defense mechanism. Alors, quel est le langage corporel de la pétrification? Eh bien, physiquement, le cheval est dissocié, sa tête est haute, ses oreilles sont dans le crin et souvent, la patte de derrière est pliée, comme au repos. Et vous l'avez deviné, beaucoup de chevaux sont dans une situation où malheureusement, ils ont dû adopter ce mécanisme de défense-là. Wow, that was a whole bunch of bad news, wasn't it? Eh bien, ça c'était tout un paquet de mauvaises nouvelles, non? Inquiétez-vous pas, vous êtes à la bonne place. Je vais vous montrer exactement quoi faire pour aider votre cheval avec des méthodes les plus douces et les plus efficaces qui soient.
As you will have guessed it, you cannot train a horse not to get spooked. You have to bring that horse back into relaxation so that horse can evaluate its surroundings better. Vous l'aurez deviné, c'est pas une question d'entraînement. On peut pas entraîner un cheval à ne plus avoir peur. Il faut plutôt ramener ce cheval-là à la relaxation pour qu'il puisse mieux évaluer les situations autour de lui. You have to first learn how to recognize the psychological state based on the body language, and you have to know how to bring them back into relaxation. Stay tuned, you're in the right place to learn that. Il faut d'abord apprendre à reconnaître l'état psychologique du cheval à partir de son langage corporel, et ensuite, il faut savoir quoi faire pour le ramener à la relaxation et rester à l'écoute. Vous êtes à la bonne place pour apprendre ça. Merci.